Coucou ma chérie, j'espère que tu vas bien. Je sais que c'est très compliqué pour toi. Wallah, vraiment, j'ai juré, tu es dans mon cœur et dans ma tête et dans mes prières. Pas une seule seconde, je t'ai oublié. Vraiment. Si je me permets de te faire cet audio-là, ce vocal, c'est moi je m'inquiète pour Saléha. De ma vie entière, ça fait plus d'un an, je ne l'ai jamais vue dans cet état-là, Maïva. Et Maïva, j'ai besoin de toi, s'il te plaît. Salia, elle est entière. En amitié, elle est loyale de fou. Là, le fait qu'elle t'ait vue dans cet état-là, elle n'a pas mangé, ça fait plus de 48 heures. Elle s'est pas levée du lit, Maïva, je sais pas si t'es au courant, depuis 48 heures. Elle ne dort pas. Je vis avec elle. J'ai jamais vu ça. Oh, elle a maigri. Je sais pas si t'as vu. Elle a encore plus maigri. Elle est dans un état. Je suis choquée. Je suis choquée. J'ai vraiment besoin de toi. S'il te plaît. Franchement, aide-moi. Aide-moi. Hey, elle a annulé. Ça fait 48 heures, pas de pub. On n'a rien fait. Et je m'en fous du travail. La vérité, j'en ai rien à foutre du travail. Là, c'est Saléha qui me fait peur. Saléha me fait peur. Elle est dans un état Maïva catastrophique. Je sais pas si t'as vu. Je sais pas si elle te l'a dit. Tellement, elle a eu peur pour toi. Tellement elle a peur pour toi, elle vit le truc comme si c'était elle. Elle me fait trop mal au cœur. Attention, Maïva, je te jure, je pense fort à toi. Dieu m'en est témoin. Je pense trop à toi. Mais elle, là, Saléha, c'est. Maïva, ça va pas. La vérité, ça va pas du tout. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots pour te décrire. Oh, sa mère, elle m'a appelé. Sa mère, elle m'a appelé. Elle m'a dit, j'ai peur pour ma fille. Donc, franchement, si tu peux m'aider, s'il te plaît, tu peux lui parler. Si tu peux lui remettre les idées, lui dire que t'inquiète pas, ça va aller. Et tu sais, Maïva, tout est écrit. Ce qui vient d'Allah, on l'accepte, on est des croyants. Et je sais qu'à ce niveau-là, t'es forte. Toi, Wallah, je te souhaite vraiment de tout mon cœur que Allah te facilite dans tout ce que t'entreprends. Et Inch'Allah, que tout va aller. Je te souhaite du fond du cœur, ma chérie. Ma soeur, écoute-moi. Écoute-moi, t'as vu? On est des croyants, toi et moi. Allah, il est en train de nous éprouver. C'est pas grave, ma soeur. Je veux pas que tu prennes les choses à cœur. Par Allah, je ne veux pas. J'accepte. Si je dois pas la faire, c'est qu'il y a un bien pour moi. Et je la ferai plus tard. Je la ferai, cette soirée. Et dans la finalité, elles auront pas gagné. Elles ont peut-être gagné cette bataille, mais la guerre, elles la gagneront pas. Allah, il laissera jamais, jamais, jamais ses servantes. Ma sœur, je veux que tu te dises un truc. Au nom d'Allah, si c'était à refaire, je le referais. Et je sais que tu aurais fait la même chose pour moi. Et je veux pas que tu culpabilises ou que tu dises que c'est ta faute. Au nom d'Allah, ça m'a jamais traversé l'esprit. Au nom d'Allah, ma sœur, ne culpabilise pas. Vis ta vie. Sois heureuse. Ne les laisse pas gagner. Souris. Ça va aller. Ça va aller. Tu verras que dans quelques temps, on va en rigoler. Je suis même plus mal, ma sœur. Je suis pas mal. Ne t'inquiète pas pour moi. C'est pas grave. On accepte, on est des croyantes. On accepte ce que Allah nous donne. Quand c'est le bien, on accepte, on est heureuse. Quand c'est les épreuves, on accepte aussi. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, je suis pas au top de ma forme. J'ai passé une semaine très 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 difficile. C'était très dur. C'est pour ça que j'ai coupé. J'en avais besoin. C'était impossible pour moi d'être sur les réseaux. J'étais trop pas bien. Et là aujourd'hui, les filles, ça va mieux. Ça va mieux parce que grâce à Dieu, alhamdoulilah, tout s'est arrangé et tout est enfin rentré dans l'ordre. Et même si pour moi, ça a été super dur ce que j'ai vécu, je veux laisser ça derrière moi et je veux aller de l'avant. Parce que je me dis qu'il y a des personnes dans le monde qui vivent des choses beaucoup pires que moi. Là, c'est mon premier repas d'aujourd'hui. Mon nom d'Allah. Bref. Ça a passé. Ça a été très, 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 très dur. Mais je suis là. Je suis là. Et vous m'avez énormément manqué. J'ai plus envie de. J'ai pas envie, pas plus. J'ai pas envie de parler de toutes ces histoires. Parce que j'ai vraiment envie de faire de l'avant, de passer à autre chose et de regarder devant moi. En fait, je vous explique. Là, actuellement, je suis à l'aéroport. Et je devais. Aujourd'hui, les filles, je suis très très heureuse de vivre à Dubaï parce que
Ici, c'est juste. Vous savez, ici, c'est la loi du Coran. Et ici, ils sont très, très justes. Personne est au-dessus des lois. Et je vous jure, je suis encore plus fière aujourd'hui d'être résidente de Dubaï. Et je vais encore plus faire ma vie ici. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Franchement, les filles, je veux plus parler de tout ce qui s'est passé. Vous savez, toute cette histoire, j'en ressors plus forte. Et j'en ressors grandi. J'ai appris des leçons. J'ai appris à réfléchir avant de parler. J'ai appris à patienter. Je pense que la leçon de cette épreuve, ça a été la patience. Et en fait, quand tu t'en remets entièrement à Dieu et tu patientes, Dieu il fait très bien les choses. Il laisse jamais une injustice, et il laisse jamais son servant ou sa servante seule face à l'injustice. Quand il y a mal dans la vie, si Dieu nous ramène une épreuve où on souffre, c'est qu'il y a toujours un bien derrière. Et voilà, ça a été très difficile, mais j'essaye de relativiser. Je me dis, il y a pire. Mais c'était compliqué parce qu'en fait, j'étais seule, sans famille, loin de ma famille. Donc c'était très très compliqué. J'avais aucune épaule sur laquelle pleurer. Et du coup, c'était de vivre cette épreuve en étant toute seule, qui a été super difficile. En plus, je suis tombée malade. Et en fait, je pense que c'est ça qui a été le plus dur. Ça a été d'avoir personne sur qui je pouvais pleurer, de ne pas avoir ma mère. Sachant que les filles... alors là, maintenant, je peux tout vous dire. Hein. Je devais voyager pour plusieurs choses, pour voir ma mère, parce que ma mère, elle est malade. Et pour la sortie de mon projet. Donc, il y avait toujours un gros un événement. Pour la sortie de mon projet. Et du coup, comme il s'est passé tout ce qui s'est passé, et que je devais être à cette place hier, tout devait être annulé. Et ça a été dur parce que c'est un événement où on a invité beaucoup de personnes, où tout était booké, l'événement et tout ça. Du coup, il fallait tout reporter. Il allait se faire, hein, c'est juste que j'allais patienter, mais c'est toute une organisation, les filles, un événement. Il y a des billets d'avion qui ont été pris, il y a des gens qui devaient venir, il y a toute une organisation, et en fait, tout ça était tombé à l'eau. En fait, de base, l'événement de mon projet, je devais le faire à Dubaï, c'était prévu. Et ensuite, on a changé d'avis pour plusieurs raisons, dont une parce que ma mère, pour le moment, elle est malade et elle ne peut pas voyager. Et du coup, c'était pour faire une pierre deux coups. Et hier, je vous laisse imaginer dans quel état. Donc, je tiens à dire que j'ai été entourée. J'étais entourée de personnes qui sont là avec moi à Dubaï. Mais vous savez, dans les moments où on est éprouvé, où on est vraiment mal, on a besoin d'être dans les bras de quelqu'un, d'être dans les bras de sa mère. Vous savez, c'est plus facile de pleurer dans les bras de sa mère. Là, la journée, je pleurais. Et le soir, je pleurais au téléphone. Voilà, j'aurais préféré pleurer dans les bras de ma mère. Mais voilà, tout ça, c'est derrière moi. C'était très dur parce que je voyais les personnes aussi autour de moi qui souffraient. Parce que ces personnes-là, elles me voyaient souffrir et parce qu'elles ne pouvaient rien faire parce que j'étais loin d'elles, dont Salia. Salia, elle était dans un état... En fait, elle voyait que j'étais seule, elle voyait que je souffrais, je passais souvent mon temps au téléphone avec elle. Et en fait, je pense que Salia, elle, au fond d'elle, c'est ce que je me suis dit, elle culpabilisait, elle se disait « mais c'est ma faute et tout », alors que ce n'est pas du tout sa faute.
Mais en fait, elle était mal de me savoir toute seule et de vivre ça toute seule. Elle voulait venir, elle était vraiment pas bien. Et du coup, après on s'est dit, voilà, même si c'est dur, on est des croyantes, on accepte l'épreuve. On accepte ce que Dieu nous donne. Quand Dieu nous donne du bien, on accepte. Mais quand Dieu nous donne des épreuves, on accepte aussi. Et on est patient. Parce que Dieu, il nous donne aucune épreuve qu'on ne peut pas surmonter. Et surtout, Dieu, il laisse jamais une injustice se faire. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et croyez-moi que ces derniers jours, j'ai passé mes nuits et mes jours sur mon tapis de prière. J'ai tout lâché. J'ai tout lâché. Les larmes de mon cœur. Et les filles, je vous jure, j'ai pas lâché. J'ai pas lâché. C'est-à-dire que je me suis battue et j'ai pas lâché ma j'ai été patiente. J'ai été vraiment patiente. Et c'était dur, c'était dur. J'étais vraiment pas bien. Mais j'ai pas lâché mon lien avec Dieu. Et aujourd'hui, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Vous savez, il ne faut jamais construire son bonheur sur le malheur des autres. Et il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Jamais, jamais, jamais. Et il ne faut jamais causer du tort à quelqu'un injustement. Parce que personne est plus puissant que Dieu. Personne. Personne, 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 personne. Les marabouts, ça, non. Le seul, le plus puissant, le tout puissant, c'est Dieu. Et personne n'est au-dessus de Dieu. Personne. Et quand on vit une épreuve, eh ben, moi je vous dis, il faut apprendre à être patient. Même si c'est dur, il faut s'en remettre à Dieu. Et Dieu, il fait toujours la justice. Toujours, toujours, toujours. Il laisse jamais, jamais, jamais ses servantes et ses serviteurs seul, jamais. Il est toujours là. Toujours, toujours, toujours. Et là, c'est ce que cette épreuve m'a appris. Et du coup, ben, en fait, j'en tire une leçon. J'en tire une leçon et aujourd'hui, j'ai appris à être patiente. Et la patience, ça paye. Voilà. Donc, je suis très contente. Je ne vous dis pas où je vais là pour le moment, mais j'y vais. Et que de belles choses devant. Vous savez, sur les réseaux, il y en a beaucoup qui ont compris la technique. C'est tous ceux qui veulent faire du buzz, tous ceux qui veulent exister, ils s'en prennent à moi. Parce que mon nom, il fait cliquer. Et en fait, avant, je donnais le bâton pour me faire battre. Parce que je répondais. Pourquoi ? Parce que j'étais impulsive. Mais là, avec tout ce que j'ai vécu, j'ai appris à ne plus être impulsive, à réfléchir avant d'agir et avant de faire. Et du coup, maintenant, c'est terminé. Vous avez vu le jour où je vous ai juré que je ne parlerai plus de ces personnes, même si elles peuvent parler de moi jusqu'à demain matin, je ne l'ai plus fait et je ne ferai plus jamais. Je laisse tout entre les mains de Dieu. Et les gens, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils veulent. Sorcellerie, tout, amener le monde entier contre toi. Si tu as Dieu avec toi, il n'y a rien qui peut t'arriver. Rien. Une semaine que je le répète, je vous jure, hein, jour et nuit. Et cette histoire, les filles, ça avait commencé avant même que je m'arrête. Mais quand je me suis arrêtée, c'est que là, je ne pouvais plus. Mais c'est derrière moi et c'est Dieu qui donne. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je ne veux plus parler de ces histoires, je n'en parlerai plus. À partir de... Ça fait un moment, on passe à autre chose. Tout ça, c'est derrière moi. Khalas, maintenant, on avance avec la volonté de Dieu. En tout cas, vous m'avez énormément manqué. Et je suis de retour. Donc maintenant, on passe à autre chose. Je vous demande, s'il vous plaît, si vous voyez des gens me critiquer sur les réseaux, je veux même pas voir, je veux même pas aller voir de mes yeux. Je les laisse. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Dieu, il sait qui je suis,
Dieu, il sait ce que je vaux, c'est tout ce qui m'importe. Que les gens, ils me critiquent, que je m'en fous. Ce que les gens pensent de moi, je m'en fous. Tant que Dieu sait, voilà, je m'en fous. Voilà, là, ça y est, on passe à autre chose. Je reviens, je suis de retour. Je vais bientôt vous annoncer la date de sortie de mon projet. C'est très bientôt, Inch'Allah, si Dieu le veut. Et voilà, tout ça, je laisse derrière moi. Même si ça a été dur, je pense aux Palestiniens, c'est 100 fois plus dur que ce que j'ai vécu. Donc, je relativise, je vais de l'avant et il n'y a que des belles choses qui vont s'offrir à moi. Donc là, les filles, je suis au lounge. J'ai pris à manger. Et vous savez ce que j'ai fait une fois que ça a été réglé? Parce qu'il fallait voir ma tête toute cette semaine. Vous savez comment je sortais avec mes robes de prière? Vous savez les robes souk Dubaï, mais je m'habillais que avec mes robes de prière. Comme ça, dès que c'était l'heure de la prière, bim, je mettais mon voile. Et pas maquillée, pas coiffée, les cheveux sales, chignon là. Là, je me démêlais même pas les cheveux, les filles, ce que j'ai vécu. Écoutez, je me réveillais 5h du matin pour le Fajr. 6h du matin, 7h du matin, j'étais dans le taxi. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je voulais même pas conduire, prendre ma voiture parce que tellement que j'avais la tête, ah, j'étais même pas concentrée pour conduire. Mais alhamdoulilah, quand ça a été réglé, les filles, j'ai fait quoi? Je suis partie au salon. On m'a lavé la tête et j'ai fait un brushing. Et j'ai encore coupé mes cheveux. C'est tout ce que j'avais voulu faire. Après, je suis rentrée parce que mes valises, elles étaient prêtes. Je devais partir hier. Donc, j'ai fini mes valises. J'ai fait une petite douche. Il manquait l'Aïcha. J'ai prié l'Aïcha. Et... aéroport. Voilà. Et par contre, les filles, je vois tourner comme quoi... j'étais en prison ou en garde à vue. Alors, je vous explique. Au nom d'Allah, 3 fois... Je n'ai ni été en prison, ni en garde à vue. Alors, même pas 5 minutes. Non, c'est faux. Hein. Arrêtez d'inventer ou d'écouter les gens. Par Allah que c'est faux. Je vous l'aurais dit. Je vais aller en prison ou en garde à vue. Pourquoi? J'ai fait quoi? Non, arrêtez les filles. Faut arrêter de croire tout ce qu'on dit, tout ce qu'on raconte sur Internet. Bref. On commence à me plaindre. Un peu bizarre de snapper comme ça. Ça va manquer. Vous aimez? Regardez, j'ai encore plus dégradé les filles. Je suis au lounge de la Emirates. Vous savez que moi, pour voyager, je préfère Air France. Parce que pour moi, la business, genre tu dors les filles. Et c'est meilleur la nourriture Air France et la nourriture française. Emirates... je mangeais le végétable kebab, là il était pas... Non, je préfère Air France. Oh mon Dieu, comme je suis fatiguée. Ça me fait bizarre les filles de re-snapper. Ça y est, je suis de nouveau une influenceuse. Ça y est, je suis de retour. Est-ce que je vous ai manqué? Parce que vous m'avez énormément manqué. Cro. Les filles, je vous ai pas montré, mais le lounge, il est trop bien. En fait, regardez, là, il y a toute la bouffe asiane. Là-bas, il y a des desserts. En fait, il y a plein de choses à manger. Il est gigantesque. Les filles, est-ce qu'on se fait pas un look du jour? Je vous en ai pas fait. Alors, j'ai mis une doudoune. Aïe, ça fait longtemps que je me suis pas bien mis. Les filles, je vous ai préparé des outfits d'hiver. Vous allez kiffer. Et que des habits pas chers. Alors là, j'ai mis une doudoune de chez Prada. Avec un pantalon. Tout le monde me regarde. Bref, j'ai acheté un truc que tu colles derrière ta coque.
et que tu accroches ton téléphone où tu veux. Alors je me refais. J'ai mis un pantalon de chez Fashion Nova, vous savez, et j'ai vu Fashion Nova. Une doudoune de chez Prada. Aïe, ça fait trop trop longtemps que je n'ai pas de doudoune. Sorry, it's my outfit of the day. Ensuite, en bas, j'ai mis un haut de chez Fashion Nova. Un Birkin 30. Cette couleur, elle est trop trop belle. J'ai mis des Travis Scott trop trop belles. Marche valise du temps avec mon sac du temps. Alors, quand je voyage, les filles, j'aime trop voyager avec les Birkin 30 cm. Pourquoi? Parce qu'en fait, on met tous les passeports, c'est genre grave confortable, le billet, tout ça. Et les 30 cm, les 25 cm, les filles, c'est trop relou quand tu voyages avec, parce que c'est trop 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 petit. Dedans, ici, en fait, il n'y a rien. Si jamais j'ai des choses, il n'y a rien dedans, il y a juste mon Coran. Vous savez qu'en ce moment, j'ai repris le Coran, les filles, je le relis. J'ai le Coran avec l'exégèse, et genre maintenant, je le comprends très 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 bien, c'est génial. Je suis à la fin de la sourate les femmes, je rentre dans la sourate la table, et ma robe de prière. Et voilà, c'était le look du jour, enfin le look du soir plutôt, le look aéroport. Ouais, j'ai énormément maigri, les gens font des baguettes. Voilà, Maëva elle meurt. Tout le monde me regarde, je suis très fatiguée. Il est minuit 37, je suis debout depuis 5h du matin. Faut pas que je m'endorme, faut pas que je rate l'avion. Et voilà. C'était le look du soir, enfin le look d'aéroport. Bon les filles, regardez où je suis. Je ne peux plus marcher. Je suis fatiguée les filles, je suis debout depuis 5h du matin, je me barre. Je vais enfin être dans mon avion. Je pensais pas le prendre les filles. Je vous jure, je commençais à perdre espoir. Mais à la Wakbal. Allah Wakbal. Je vais dormir tout le long. A votre avis, je vais où les filles? Dites-moi toute la vidéo. Et après je vais voir ma mère. Salut, ça va? Yes, I'm famous. Et après je vais voir ma mère. Et après je leur passe à l'état. Yeah. Vidéo. Et après la sortie de mon projet. Si vous saviez les gens avec qui je me suis entourée, comme ça les filles, des gens pieux, des gens, Allah il les a mis sur mon chemin, je les remercierai jamais assez pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Je serai éternellement reconnaissante. J-3. Listen. J-3. Yeah. J-3. Yeah, J-3. Stick. Yeah. Welcome on board. Ah, thank you. I have Moët champagne rosé. No alcohol. I'm Muslim. Fresh orange juice or minty citrus? Mint citrus. Les filles, j'en prie de joie. Thank you. Enjoy the drink. Thank you. Hello, welcome board. I have déjà, je vais dormir. Les filles, je vous jure, vous savez pas tout ce que j'ai vécu. Est-ce que vous saviez que normalement, mon billet, c'était hier. Hier, je devais être à cette place. Hier. Et on a tout fait pour l'empêcher d'y être. Vous avez vu l'être humain comment il est mauvais? Parce que j'avais mon projet. On a tout fait pour me nuire. Regardez Allah comment il est. Hasbi Allah wa ni'mal wakeel. Qu'est-ce que je suis heureuse d'être dans mon avis. Les filles, on m'a mis beaucoup de bâtons dans les roues dans mon projet. J'ai placé ma confiance en Dieu et regardez. Maëva, on a dit à Mena qu'il s'occupe bien de toi. T'es trop mignonne. Il y a une hôtesse, elle est trop trop belle, elle est trop trop mignonne. Je peux te montrer comment t'es trop trop belle si tu veux. Regardez comment elle est trop trop belle. Machallah, là où ma belle est. Une poupée. Merci ma chérie. Et
je suis les filles. En fait, là, maintenant, tout de suite, je suis dans l'avion. J'ai envie de. En fait, j'ai toute la pression qui. Il y a Maïva Guénam aussi aujourd'hui. Ça va, tu vas bien? Ça va bien, toi. Ça va. C'est Black M, regardez. Du coup, je vous disais, je devais pas y être. Et j'y suis. Mon projet, défi, 3 jours. 3 jours jusqu'au bout, on a essayé. Jusqu'au bout. Et je vais prendre les marabouts, tout ce que vous voulez. Rien n'est plus puissant que Ramadan. J-3. Ça y est. Ça y est. J-3. Vous savez, les filles, c'est le projet de ma vie. C'est le plus beau projet de ma vie. C'est le plus grand projet de ma vie. Et je vous raconterai, je prendrai le temps de vous raconter. En fait, c'est Dieu qui m'a mis ces personnes sur mon chemin. L'histoire, elle est trop belle, elle est incroyable. Et je suis reconnaissante d'être tombée sur des personnes comme ça. C'est des cœurs purs, des vrais croyants, des vrais gens droits. Voilà. Je suis trop heureuse. À mon projet. À notre projet. Je dis que c'est le mien, les filles, mais il y a des gens avec moi, il y a des personnes avec moi. Mais ils veulent pas se montrer, quoi. C'est le projet de ma vie. Les filles, je suis trop contente. Est-ce que vous voulez que je vous montre ce qu'il y a dans la trousse? C'est une trousse Bulgarie, la trousse Emirates. C'est génial. Regardez, il y a un déo. Il y a un parfum Bulgarie aux toilettes. Il y a une crème pour le visage de chez Bulgarie. Il y a un baume à lèvres, il est trop bien. Je crois que je les prends. Après, les trousses comme ça, je les donne généralement. J'en ai plein. Là, brossade en dentifrice. Là, c'est une serviette. Là, c'est un miroir, les filles, regardez. Un miroir. C'est trop génial. Il y a même une brosse à cheveux qui se plie. Et un élastique. Mais c'est la première fois que je tombe sur un élastique, les filles. Et des boules caisses. Et une motion pour le corps. C'était la trousse Bulgarie des Emirates. Bonjour, les filles. J'espère que ça va. Ouais. Ça va. On est tranquillement. J'atterris pas encore. Il est lourd, ce vol, là. J'espère que ça part, sinon j'ai dormi tout le vol, les filles. J'ai pas mangé. Là, il y a le petit déj, je suis en train de manger un croissant. Donc voilà. Quel tour on est? Je m'en veux. Ma petite toilette, j'ai mis ma petite crème. Je me pomponne vite fait. Je suis trop heureuse, les filles, d'être arrivée. Du coup, là, on a J-2. J-2, les filles. Le plus beau projet de ma vie. Le plus beau. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte que vous sachiez. Que vous sachiez ce que c'est. Je suis trop heureuse d'être enfin arrivée, grâce à Dieu, après tout ce qui s'est passé. J'en reviens pas. Là, je suis en train d'atterrir. Oh là 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 là. Je suis arrivée. Mais là, aujourd'hui, j'ai beaucoup de travail, les filles. Oh, je suis trop excitée. Bref, ma coiffeur, elle a trop bien tenu. Je pense que c'est le coiffeur. Vous avez vu, j'ai encore plus trop coupé. C'est mieux, hein. J'aime trop les dégradés.
Là, quand je regarde mes photos, quand j'avais les cheveux longs et droits, je me disais, pourquoi j'ai fait ça? Why? C'est tellement démodé en 2024. Ma poudre. D'habitude, ma peau. Ils ont essayé, mes sorcelles, il n'a pas marché. De moi, ils ont douté. Je suis revenue pour confirmer. Les filles, regardez, je suis une influenceuse équipée. Je mets ma petite lumière et je montre au truc autocollant pour coller. Regardez, c'est génial. Je mets ici. Moi, je passe tout le temps. Please jump over arriving in Paris shortly. Please return to your seat. Make sure your bag is in the seat in front of you or in the overhead bunker. This must be arrived when you're running down. The seat belt's securely fastened. Hold away and tray table for rest and open your window bar. Laptops must be switched off. Safety stored in your electronic devices must be plugged in or switched off. Please read the safety card in your seat pocket to make sure you're aware of your nearest exit and aircraft safety features. In the unlikely event we need to make an emergency exit on landing, please leave all your personal belongings behind when you leave the aircraft. Thank you. Ils ont essayé, mes sorcelles, il n'a pas marché. De moi, ils ont douté, je suis revenue pour confirmer. Mes vies, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez-moi, ça va grâce à Dieu. Je retrouve mon sourire. Je suis enfin arrivée, les filles. Après toute cette bataille, j'y suis, enfin. Je suis arrivée, les filles. Je suis trop contente. Dieu est grand, Dieu est tout puissant. Voilà, les filles. Alors aujourd'hui, j'ai une journée de tournage. Et puis, on est à J-2 du plus beau projet de ma vie, les filles. Je suis trop excitée. Je suis trop contente. Alors, je ne vous dis pas encore là où je suis. Je pense que vous l'avez un peu deviné. Je vous dirai quand j'arrive à mon hôtel. Je suis heureuse, vous savez pourquoi? Parce que moi j'aime la pluie, j'aime les nuages, j'aime quand il fait un peu froid. Je pensais qu'il allait faire beaucoup plus froid que ça. Franchement ça va, mais ce temps ça m'a manqué. L'air frais, la verdure, j'en pouvais plus du soleil de Dubaï, les filles. Vous savez que moi j'aime trop le froid, j'aime trop l'hiver. L'hiver c'est ma saison préférée. Moi, mon rêve, mon goal de vie, c'est d'avoir une maison en bas d'une montagne, près d'un lac, et d'avoir une barque, les filles. Vous savez, une barque avec des pagaies accrochées à la barque, et d'avoir un lac, vous savez, avec un ponton, et que je monte dans ma barque et que je pagaie. Et je rêve, les filles, d'avoir des canards, d'avoir une famille de canards dans mon lac, et de les nourrir, et de faire de la barque. Ouais, j'aime la nature, les filles. J'aime la nature, j'aime croc. Voilà, c'est ça mon goal de vie. Bref, on est à J-2. C'est bon.
Les filles, je viens d'arriver, donc je suis trop contente. Alors là, je vais vous donner un indice de là où je suis. Je suis dans mon hôtel préféré au monde. Donc ceux qui me suivent, vous savez c'est lequel. Du coup, je suis dans quelle ville? Je vous laisse deviner en dessous cette vidéo. Les filles, je suis arrivée à mon hôtel préféré au monde. Je vous fais visiter la chambre. Regardez, c'est trop beau. Oh, attendez, je vous montre. Regardez, c'est magnifique. Regardez, j'aime trop. Regardez-moi ce dressing de star, les filles, il est magnifique. Tout en miroir, elle est magnifique, la chambre. Et regardez la salle de bain. Oh, elle est trop belle. C'est ma salle de bain préférée au monde. Regardez, il y a plein de ballons dans la baignoire. J'aime trop mignon. Regardez les filles. Ils m'ont fait une petite lettre. Oh, regardez, ils ont mis une photo de ma maman et moi. Oh, c'est trop mignon. Oh là là. Regardez une autre lettre. Et là-bas aussi. Oh. Une photo de ma mounette et moi, elle me manque trop. J'ai trop hâte de la voir. Bon, il y a du champagne, j'ai arrêté l'alcool. Ils sont pas au courant. Mais c'est trop mignon. Je suis trop contente. Les filles, je suis trop contente. Je vais enfin pouvoir mettre des bottes. Regardez, celle-ci, c'est des Louévé. Je les ai portées qu'une seule fois. C'est ça de vivre à Dubaï. Celle-ci, c'est des bottines Chanel. Qu'une seule fois aussi. Celle-ci, c'est des Fendi. Alors, j'ai commandé des Miu Miu. Elles arrivent, elles sont trop belles. Celle-ci, c'est des Vuitton. Chaque année, je me prends des bottes, les filles. Et celle-là, c'est les Givenchy. Oh, je suis trop contente. Enfin ! Filles, bon, tout est rentré. Ça y est, j'ai défait toutes mes valises. Trop bien. Alors, les filles, je vous explique. Là, c'est la course contre la montre. Pourquoi ? Parce que j'ai un tournage à faire, là. Sauf que comme j'ai pas pris l'avion quand c'était prévu, j'ai pris 24 heures plus tard, et bien ça m'a mis en retard. Du coup, là, je suis en train de vite me préparer. En plus, il faut que je fasse un full face. Et du coup, là, je mets mon sérum Girl Power. J'ai pas beaucoup dormi, ça fait une semaine, je dors pas. Donc là, vous savez, Girl Power, ils ont deux sérums. Ils ont la première version, la deuxième version. La première version, elle lift beaucoup plus, elle chauffe beaucoup plus que la première, que la deuxième. La deuxième, elle a plus d'acide hyaluronique. Mais elle lift, mais genre, ça c'est pour les jeunes jusqu'à 30 ans. Et après 30 ans, c'est celui-là. Là, j'utilise la plus forte parce que j'ai pas dormi, ok, et que j'ai besoin d'avoir l'impression d'être réveillée, ok. Oulala, ça chante vraiment. J'ai pas l'habitude, moi, je mets la deuxième version. Donc j'ai besoin d'être réveillée. Il y a mon amie qui est là, les filles, mon amie en France. Voilà, elle va m'accompagner. Oh, oulala, c'est la course contre la montre. Les filles, quand je vous dis ce sérum, c'est une dinguerie. Ça, c'est la deuxième version, le plus liftant. C'est une dinguerie. Je vous explique. Il enlève en 3 secondes les cernes, les rides. Il resserre les pores. Il lift les pommettes instantanément. Quand vous le mettez, c'est normal, ça chauffe. Ne croyez pas que le produit, il est périmé ou quoi, que vous êtes en train de faire une allergie. Non, c'est normal. Et celui-ci, il est super puissant. Là, ça fait une semaine, j'ai pas dormi. C'est pour ça que je l'utilise. Vu que j'ai un tournage, j'ai besoin d'avoir l'air d'avoir bien dormi. Vous voyez ? Là, regardez les filles. Regardez, j'ai pas de filtre. Regardez. Ma cerne, elle a complètement disparu. Ici, ma ride aussi. Regardez là, comme on la voit. Là, comme on la voit plus. Hop là, ici ma pommette elle est complètement relevée. Regardez mon visage, il est même pas symétrique. Les filles, quand je vous dis c'est de la bombe, c'est de la bombe. En plus là c'est Black Friday, à moins 50%. Regardez la différence. Mon visage là il est pas symétrique. Ici il est vers le haut, ici il est vers le bas. Regardez là, j'ai plus de tension. Et regardez là, toute la tension que j'ai. Les filles, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est un indispensable. Un indispensable, ça enlève les cernes, ça remonte la pommette, ça enlève les rides, ça resserre les pores, ça lift le visage, c'est un indispensable. Alors les filles, j'applique. C'est celui-là le plus fort. J'applique de l'autre côté, les filles, sinon ça va pas, hop là, être... Je vais avoir le visage symétrique, tellement que celui-là, les filles, il est trop puissant. Celui-là, je vous explique, c'est celui que ma grand-mère l'utilise, celui-là, pardon, il est trop puissant. Il est incroyable. Tellement qu'il faut des autorisations et tout. Tellement qu'il est trop puissant. Hop là, je vais m'hydrater le corps. Je vais mettre ambre. Voilà, ça c'est génial les filles.
c'est mes brumes hydratantes et parfumantes de chez Béum. Vous savez que moi, je m'hydrate la peau tous les jours. Ok, et avant, je mettais genre 10 minutes à le faire, même temps de la crème sur tout mon corps. Là, en une minute, je fais tout mon corps. Je vais enlever mon peignoir, je vais faire ta-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 ta. Ça hydrate et ça parfume en même temps. Non, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, ces brumes. Fille, moi, je vous le dis, n'achetez pas le iPhone 16 Pro Max. Il bug. Snapchat bug dessus. Ce n'est pas normal. 2000 euros le téléphone, je suis désolée, c'est pas normal. C'était mon petit coup de gueule de la journée. Les filles, je vous explique. Béum, vous voyez les brumes Béum, c'est un indispensable. C'est ça, il les faut à toutes. Pourquoi ? C'est des brumes parfumantes. Vous sentez trop bon. Mais pas que. Elles parfument et elles hydratent. Dedans, il y a de l'aloe vera et de l'huile à l'intérieur. Les filles, en 1 minute 30, vous hydratez tout votre corps. C'est de la bombe et ça sent bon. Vous avez vu vos maris ? Ils vont faire des bisous comme ça. Ils vont dire, aïe, comme tu sens bon. Les filles, c'est une dinguerie. Vous avez trois odeurs. Vous avez musc blanc, vous avez ambre, je vais vous mettre les senteurs, et vous avez rose poudrée. Ces deux-là, c'est ceux que je mets tout le temps, qui sont trop trop bons. Ma préférée, musc blanc et ambre. Ambre, c'est aussi la préférée de ma mère. Et celle-là, elle sent le... Je vais vous mettre toutes les senteurs. C'est senteur Yara, comme le Yara. C'est rose poudrée, c'est la préférée de Saliha. Les filles, je vais vous montrer comment elles hydratent. C'est une dinguerie. Dommage, dommage que je ne peux pas vous envoyer des échantillons pour que vous sentez les odeurs. Aïe, comme ça sent bon. Votre peau. Aïe, les filles, vous avez... Aïe, les filles, je vous jure, l'odeur, c'est une dinguerie. Je vais vous montrer. Ma copine, elle les a senties, elle m'a dit, c'est une tuerie. Les filles, regardez, je vais vous montrer. Regardez. Regardez ma jambe. Vous voyez, là, je griffe. Vous entendez le bruit ? Vous voyez, c'est pas hydraté. En 2 secondes, hop là, vous en mettez comme ça. Et ensuite, vous passez votre main. Vous voyez, vous en mettez pulvérisé à 10 cm. Là, vous êtes parfumé, hydraté. Votre corps, vous le faites en une minute. Maintenant, on va faire le test. Regardez, je me suis fait des marques et tout. Les filles, quand je vous dis ça sent trop bon, ça sent trop bon. Ma pune, elle m'a dit, je te vois tout le temps parler sur Snap. Je veux les sentir. Alors, dis la vérité. Non, c'est trop bon. Non, je vous jure, au nom de Dieu, c'est une dinguerie. Ce que je vous recommande, les filles, c'est le pack. Vous voyez, avec les trois senteurs. C'est bien pour le choisir, c'est bon ou pas ? Jure ? Je te jure, c'est un truc de fou. Les filles, c'est un truc de fou. Je sais pas. Donc, je vous conseille le pack parce que ça revient moins cher. Et vous savez, regardez, cette brume-là, ça fait genre 4 mois que je l'ai, les filles. 4 mois. Regardez tout ce qui reste, sachant que j'en mets tous les jours, les filles. Ça vous dure super longtemps. Et le pack, au moins, vous avez les 3 odeurs. En plus, là, c'est Black Friday, les filles. Il y a 40% de réduction. C'est le plus gros code BM. Vas-y, je vais t'en faire envoyer parce que j'ai pris que ces 3. Vas-y, je te fais en envoyer. Oui. 40% les filles, c'est Black Friday, profitez-en. Bébé, on va faire un truc. Dis-moi. Regarde-moi, je vais me préparer. Ouais. En rapide. Ouais. Toi, tu vas dans le dressing, tu me choisis ma tenue. Vas-y. Je veux mettre des bottes. Tu veux mettre des bottes ? Ouais. Vas-y. Elle s'habille trop bien. Allez, okay. Je peux pas vous la montrer, mais elle s'habille trop trop bien. Alors les filles, je me maquille. Je me maquille très très rapide, mais je mets du fond de teint. J'ai pas l'habitude, parce que j'ai un tournage. Je déteste mettre du fond de teint. Moi, je mets le... Quand j'en mets, je mets celui de Huda, le nouveau. Il est trop, trop bien. Et d'abord, il faut mettre la base. Hop là. Voilà, Huda l'a dit. Huda, c'est ma go. Huda, on la critique pas. Huda, on achète. Huda, le pour la Palestine. D'accord ? Et le fond de teint. Même le fond de teint, les filles, le plus fin au monde, je ne le supporte pas sur ma peau. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi j'aime ne pas mettre de fond de teint ? Hop là, on va aller très, très vite. Là, je vais faire un full face en rapide. Mais moi, mon full face, c'est pas le full face comme les gens ils font. Hein. Moi, j'aime pas moi, avoir trop de couches après. En fait, quand j'ai trop de couches, c'est pour ça que généralement, j'aime pas me faire maquiller. Quand je sens que j'ai trop de couches, et ben, je me sens mal à l'aise. Je sais pas comment vous expliquer. Je me sens mal à l'aise. Je sens qu'il y a. Je sais pas. Je me sens mal à l'aise. Non, pour être couvrant, il est couvrant, mais j'ai une belle peau déjà. C'est pas pour me vanter que je dis ça, mais c'est vrai. Toute la skincare coréenne que je fais là. Hop là. Je vais maquiller les paupières et tout. Aïe. J'ai perdu l'habitude. En fait, avant, le soir, je me mets du fond de teint quand je sors le soir. Et en fait, avant, les filles, et ben, comme je sortais souvent le soir, j'étais une nighteuse. Ah, la lumière est trop belle, la lumière locale. Comme j'étais une nighteuse, et ben,
Ben, je me faisais souvent des full face, parce que je fais le full face que le soir. La journée, je déteste, mais là, j'ai un shooting. Sauf que, maintenant que j'ai changé, maintenant que ma vagina avait ses repunchy, ouh, elle est partie à la mec. Donc, du coup, vu que ma vagina avait ses repunchy, ouh, regardez, j'ai acheté des pinceaux dans mon site que je commande. Allez, tout ce que j'ai reçu, les filles, j'ai tout mis de côté. Je voulais vous faire le unboxing. J'ai eu tous ces problèmes. Bref, je vais les tester. Ils ont l'air génial. Ils ont l'air génial. Et j'ai pas pris de pinceau pour eux. Et merde. Ah, mais non, non, non. Voilà. Et du coup, ben maintenant que je sors plus le soir, aïe, elle s'est pétée. Aïe, je peux plus, moi. Je peux plus, moi. Allez, on jette tout ici. Du coup, maintenant que je sors plus le soir, et ben. Hop là, je fais plus de full face. Donc j'ai même perdu la main, si vous voulez savoir. Il est mouillé. Aïe, je suis en train de faire TB. Oui, je suis filmée. Oui, on y va. Oui, je fais là. Oui. Oui. Il est bon, mon anti-cerne. Oui, j'aime pas mettre de fond de teint. Ah, vous voyez, si j'avais pas mis de fond de teint, je ne maquillerais pas mes paupières. Et ben là, je serais déjà prête. Les filles, dites-moi votre astuce pour supporter le fond de teint, s'il vous plaît. Donnez-moi vos astuces. Moi, je vous donne toutes mes astuces, les filles. Parce que moi, je suis pas une jalouse. Je suis pas, vous savez, quand comme les filles qui donnent pas leur secret beauté parce qu'elles sont jalouses, elles veulent pas que vous soyez plus belles qu'elles. Ça, je déteste. Faut pas être amie avec des gens comme ça. Vous les dégagez de vos vies, ça, s'il vous plaît. Moi, je donne. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi les vôtres aussi. On est ensemble. Celle que tu veux, choisis tout. Ah ouais, même la veste. Tout. Donc, j'ai préparé deux tenues, les filles. Une tenue, vous allez voir, je vais vous faire un look du jour. Et une autre tenue. Et une autre tenue, je vais mettre un... Je sais plus ce que je vous disais. Ouais, je veux savoir comment... Hop là. Comment on fait pour supporter le fond de teint? Parce que moi, je le supporte pas. Hop là. My vagina me sero punchy. Wow! Elle est partie à la mec! Wow! Bon, voilà, après je mets le même produit que je mets d'habitude. Voilà, mon blush. Et par contre, je mets de l'highlighter. Parce qu'elle a la caméra. Oui ou non? Faut que je brille. Ou trop simple? Comme t'aimes. Ça, c'est vraiment ton style. Ouais, ouais. Avec les bottes Givenchy ou les. Toutes les bottes. Les beiges. Avec... Non, ou les noires. Toutes? Vas-y. Les couleurs, ça parle marron. Fais voir une autre tenue. Attendez, je vous montre. Montre sans vous la montrer, c'est beau hein. C'est ma copine, elle s'habille comme ça. Elle aime cro. Ouais. Et fais voir, fais-moi une tenue noire. Regardez les filles, cet ensemble comme il est magnifique. C'est un Thierry Mugler. C'est un ensemble de blazer. Ça avec mes Amina Moji les nouvelles. Voilà. Et alors ma copine elle m'a fait deux tenues. Dites-moi vite les filles parce que je m'habille tout de suite. Donc la tenue, cette jupe. Ouais, soit avec le haut blanc, soit avec le haut marron et ça, avec les bottes Givenchy comme ça. Ou alors full noir, regardez, avec la veste grise pour casser et les Givenchy noirs. Dites-moi les filles, je m'habille tout de suite, je dois partir. Allez les filles, je vous fais un look du jour. Alors, je vous montre. Est-ce que ça fait parisienne? Alors, j'ai mis une jupe de chez Zara. En fait, je suis en full Zara avec un body. J'aime trop la matière et la coupe, regardez. Ça va, il fait pas trop froid à Paris. Avec une veste magnifique grise de chez Zara, des bottes Givenchy et un Birkin 25. Est-ce que vous aimez les filles? Bon, mes filles, c'est bon, je vais à mon rendez-vous pour mon tournage. J'ai oublié mon liner à Dubaï. Faut que j'aille en acheter un. Mais du coup, là-bas, heureusement qu'il y a quelqu'un qui a du liner. Et puis voilà, alors j'aime beaucoup Paris, je suis à Paris, ça fait du bien d'être à Paris. C'est trop beau, c'est magnifique. C'est une ville que j'aime beaucoup, surtout pour le shopping. Et c'est Notre-Dame ici. Je crois qu'on est sur la Seine là. Ouais, Notre-Dame, c'est un peu devant là. Ça s'appelle comment ici, monsieur? Là, ici, c'est rive droite, là, on est à côté du Cheval Blanc. Ah, et là, c'est la Seine? Ouais, c'est la Seine à droite. Ouais. Génial. Mais pourquoi il y a autant d'embouteillages? Pourquoi? Ici, tout le temps, ici c'est bordel, Pont Neuf, tout là, c'est toujours bouché.
Là là, on arrive à... dans combien de temps, monsieur? Trop gentil le chauffeur. 27, 26 minutes. Ben, Inch'Allah. Et voilà, et je suis avec mon ami. Je suis contente de l'avoir. Les filles, je suis avec une star, mais une vraie star. La star de son domaine. En fait, c'est que les personnes qui sont dans la parfumerie qui la connaissent. Ouais. C'est le nez le plus connu. C'est la star, regardez. Et on collabore ensemble. Je suis trop trop belle. Regardez comment elle est trop belle. Ah là, ma belle. C'est le nez le plus connu. Hein. Le meilleur nez, c'est celle qui fait toutes les plus grandes marques de parfums. C'est un honneur.